Alors, je fais la petite vidéo donc du support que je vous ai parlé, que je fais, hein, donc que j'ai fait avec des trucs en ferraille. Hein, c'est de la ferraille assez épaisse. D'ailleurs, pour percer des vis là-dedans, faut vraiment des vis auto-perforantes de super qualité parce que ça rentre pas comme ça. Donc, c'est stable, hein, y a pas de souci. Et je vais les mettre en fin de compte, comme vous pouvez voir, hein, j'ai ma baie informatique qui est au-dessus. Et en fin de compte, elle va aller se loger en dessous. Alors je ne sais pas encore si je vais mettre les batteries sur cette façade-là ou si je vais les mettre sur la façade comme ça sur le côté. Je pense que sur le côté, ce sera peut-être plus facile. Après, les câbles sortiront derrière. Alors, j'ai toujours pas fait mon câblage. C'est un bordel incommensurable, mais bon. Voilà quoi. J'attends les goulottes là. Enfin, c'est surtout que j'aille les acheter. Elles vont pas venir toutes seules. Donc, il va y avoir des goulottes, il va y avoir tout un tas de systèmes. Donc, de toute façon, les protections de batterie là, elles vont sauter, parce que Pilontech, on peut les brancher direct. Elles ont pas de. Il suffit de couper dessus ou quoi que ce soit, elle gère très bien le système, donc on peut les brancher directement dessus. Donc voilà. Et je crois que. Alors voilà. Ça y est, elles sont enfin arrivées. C'est pas trop tôt. Donc voilà, quand elles sont par quatre, comment elles arrivent. Bon, il y avait le. J'ai contrôlé. Hein. Il y a le. Ça qui est arrivé un peu ouvert, mais enfin, il y a tout dedans. Le câble de communication d'inverter, donc de l'onduleur, et les deux câbles. Alors, ça s'en est en plus, un jeu en plus, parce que bon, comme j'ai les deux onduleurs. Donc voilà, hein, c'est bien. Du Pilontech en US 2000. Donc on se retrouve tout de suite pour le petit unboxing. Donc allez, on va commencer l'unboxing. Alors j'espère que vous voyez pas trop mal. Hop, je vais prendre le. Je vais filmer un peu plus proche. Donc, eh ben, on a le système. Hop là. Le système des batteries comme ça. Alors, je vais reposer ça. Donc, on a. Je pense que si je mets là, c'est pas trop mal. Donc on a le connecteur de masse, le petit RJ45 pour les ponter ensemble, enfin pour les connecter ensemble, et les petits connecteurs plus moins. On a les petites vis pour les mettre en rack. Moi je vais les mettre dans un rack. Et on a le petit fichier de garantie que je vais réussir à ouvrir. Voilà. Avec donc, toutes les caractéristiques. Il y a un caractéristique, donc batterie module. Le petit recharge lithium production qui doit être certainement tout en anglais, je suppose. Voilà, on est content. On a tout un manuel qui est tout anglais.
Et on a le système de garantie pour Pilantec. Alors ça, c'est pareil, je l'expliquerai pour la garantie. On peut avoir une garantie de 7 ans pour les Pilantec. Donc les petits câbles, les petites vis que vous voyez, hein, c'est les petites vis pour mettre dans les baies serveurs. Comme je vous montrerai après, je l'ai pas reçu, je la recevrai à la fin du mois. Donc on continue. Donc un petit sachet de truc là. Hop, vous voyez plus rien. Pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est pas trop grave. Alors, on va continuer. L'ouverture, ça pèse quand même son poids. Alors, comment ils m'ont emballé ça? Sauf que vous voyez toujours. Oui. Ouh, là. Elles sont fraîches. Donc voici la fameuse batterie Pilantec. Si je me mets face à la lumière. Donc ça, de toute façon, vous avez tous les descriptifs. Hein. C'est un peu tous le même système. Donc, je vais mettre la caméra sans couper. Comme ça, on va faire plus ou moins l'installation en même temps. Donc je vais mettre ça par là. Voilà. Je sais pas si je peux le baisser un peu plus. Je vais chercher la batterie. Alors derrière, on peut voir qu'il n'y a rien. C'est qu'il n'y a rien du tout. Alors, question que je me posais, c'est est-ce que ça va aller sur les deux là? Oui, ça y va, mais c'est juste. Ça y va comme ça, mais c'est juste. Je ne mettrai pas les quatre dessus. Ouh, là, vous vivez du live, hein, quasiment. C'est pas du live, mais voilà. Je pense que je vais mettre là, ça devrait être bon. Ça devrait à peu près tenir. Donc voilà, et là, dans un premier temps, je vais les mettre comme ça. Je vais les installer comme ça. Donc ben, on se reprend après pour la vidéo d'installation. Je vais déballer les autres et puis je vais vous montrer au fur et à mesure au niveau de l'installation.